19 mois sans jouer et voici Kingersheim en D1, ce qui était une mauvaise histoire au départ. Après la fin des compétitions en 2020, se révèle finalement être un conte de fées qui doit se poursuivre. Soumaré encore le long de la ligne et finalement un ballon mal renvoyé qui va profiter au Sporting et Maikor sur sa première tentative après quasiment 5 minutes de jeu va marquer le premier but de la saison du club parisien. Un ballon de 8 à 0 avec cette combinaison parfaite pour Sid Belhadj. Premier ballon dans la surface adverse et premier but pour l'ancien joueur de l'Access. C'est simple, c'est efficace. Et ce ballon chippé, ballon gratté, pourquoi pas. Allez, un but pour Kingersheim, non. Lyon qui s'interpose. Oh là 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 là, quelle frappe incroyable. Et 3-0 pour le Sporting. Allez, Soumaré, c'est bien joué ça, et voilà le quatrième but de cette équipe du Sporting. Victoire du Sporting sur le score de 4 buts à 0 face à Kingersheim avec des buts inscrits par Maiko à la 6ème minute, par Belhadj à la 8ème, par Lyon de Preta, ce gardien à la 19ème minute, et donc Sadawi à la 29ème, entrée en lice parfaite du Sporting dans ce championnat de D1 avec cette victoire chez le promu alsacien.